tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Ça fait un certain temps que j'avais pas publié de vidéo sur ma chaîne. Disons que j'étais passablement occupée ces temps-ci à terminer une toile personnalisée pour ma mère en diamond painting et que j'ai offert au début du mois d'octobre. Vers la mi-octobre, dans le fond, que je suis descendue la voir, puis qu'on lui a offert cette petite surprise-là. Puis par la suite, j'avais déjà une toile de commencer en DP avant la toile personnalisée que j'avais mis de côté. Puis je l'ai terminée en courant de cette semaine-ci. Donc, là, ça me permet maintenant de faire mon vidéo des futurs projets que je vais entreprendre prochainement. Pour certaines personnes qui me connaissent, vous savez que je ne fais pas juste du DP, que je touche à plusieurs loisirs créatifs, comme la customisation de bois. J'ai fait aussi du scrapbooking. J'aime toucher à un peu de tout. Donc, je me suis permis de m'aligner sur d'autres projets à venir en loisirs créatifs. C'est des produits que j'ai achetés ça pas longtemps sur Amazon. Donc, j'ai reçu mon dernier colis au début de la semaine. Je vais vous présenter, disons que j'ai déballé, j'ai enlevé des enveloppes grises aussi pour éviter de faire le plus possible, le moins de bruit. Voilà mon prochain projet. Là, je l'ai enlevé de l'enveloppe parce que c'était quand même assez bruyant. Et que ça sauve être ceci. C'est du. Les autres ils appellent ça de la broderie parce que c'est des fleurs qui sont quand même soulevées. C'est pas comme les points serrés que dans le domaine du point de croix, que c'est vraiment collé dessus. Les autres vont avoir comme une dimension dans les modèles. Pour certaines fleurs. Je me trouve à avoir trois modèles dans cette enveloppe-ci que je vais vous montrer. Comme celui-ci ici. Et il montre comment faire les points comme projet. Ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai publié mes colis sur mon Facebook et certains groupes. Puis il y a une personne qui m'a fait surtout sourire. Je vais l'appeler Mademoiselle Colombo, disons, parce qu'elle a comme découvert entre les paquets qu'il peut avoir du point de croix. Ça m'a fait plutôt rire. Je l'appelle Mademoiselle Colombo. Elle va se reconnaître. Je n'aimerais pas son nom quand même. Mais ça va sûrement la faire sourire aussi. Ça se trouve être ce modèle-ci qui contient le petit cerceau. J'ai des cerceaux dans mon atelier en haut que j'aime, c'est que c'est beaucoup plus grand que celui-ci, donc je suis très contente de l'avoir. Ça va me permettre des fois, si j'ai des petits points de croix ou quoi que ce soit, plus petits à faire, d'utiliser ce petit cerceau. Puis il vient aussi avec un bâton de colle. Je me trouve avoir trois modèles de fleurs que je vais vous montrer. Je n'ouvrirai pas toutes les trois parce qu'elles sont toutes dans des sachets individuels. J'en ouvrirai juste un pour vous montrer ce qu'il contient. Donc, on a le modèle ici avec, comme je vous ai dit, avec la charte à suivre, des points. On a derrière aussi. Comme ceci. Bien entendu, il vient avec la petite laine. Comme ça ici. L'aiguille est-elle fournie? J'espère que oui. J'espère que l'aiguille vient avec, sinon j'ai une aiguille en haut.
Je sais pas de quel côté qu'on le voit le mieux. Le modèle de fleur. C'est surprenant, je n'ai pas d'aiguille, j'espère en avoir quelque part. Et j'ai ça ici, parce qu'on peut faire des petits médaillons. Attends un petit peu, je vais l'ouvrir. Ah, l'aiguille est dedans. Je suis rassurée. J'avais peur. Un petit médaillon. Voilà pourquoi on a le bâton de colle pour pouvoir le mettre dans le rond ici, dans le cercle. Nous avons ceci qui est bombé un petit peu, donc qui va être dans le centre-ci, puis la fleur va être sur le dessus. Bien entendu, j'ai deux aiguilles. Et j'ai une chaîne pour mettre au cou. Sauf comme j'ai vu sur Internet aussi, on peut faire des boucles d'oreilles. Puis moi, j'ai un kit pour faire des boucles d'oreilles aussi. Donc, on peut quand même. Mais je trouve ça quand même assez gros pour que ce soit une boucle d'oreille. C'est trop haut, trop large. À moins que ceux qui aiment. Les grosses boucles d'oreilles, tant mieux, mais moi je trouve ça un petit peu trop gros. Fait que justement, juste le poser comme ça ici, c'est juste parfait. Je vais remettre dans des sachets pour rien perdre non plus. Là. Les trois sont sur le même principe. Je vais vous montrer le modèle des fleurs que j'avais à l'achat de ce que ici. Je vais tout mettre ensemble parce que je ne veux rien perdre non plus. Vous comprenez pourquoi j'ai déballé à l'avance? Parce que je vous ai pressé d'éviter le plus possible de bruit. Là. C'est pas tout le monde qui aime le bruit des colis développés. Et voilà. Ceci. Donc, j'ai le modèle que je vous ai montré ici. Ils sont tous le même principe. Le deuxième, ça se trouve être celui-là. Regardez, si vous voyez bien, là, les fleurs, ils ont l'air d'être. Ils sont surélevés un peu, ici, dans le centre. Parce qu'il y a plusieurs façons de faire du point de croix aussi, là. Que j'avais vu ce réseau là, sur YouTube. Et le troisième se trouve être celui-ci. Comme ça. Avec comment faire ce modèle-ci. À chaque fleur, il montre comment procéder pour faire la fleur ainsi que les feuilles. Comme ça ici. Ils ont tout le petit kit inclus avec. Voilà pour cette chose-ci. Je vais le mettre de côté. Dans la même lignée. Attendez un petit peu que je vous montre. Ça va être celui-ci. Qui se trouve être le même principe. Mais pas tout à fait la même chose. Je vais l'ouvrir par contre parce que je l'ai pas ouvert encore. C'est pas évident, hein, des fois. C'est tellement bien emballé que j'ai essayé de
peut-être pas trop perdre du temps, mais en fin de compte, je me rends compte que c'est pas mieux. Mon couteau coupe-t-il? Je vais réussir. Ah, c'est pas évident, hein? On a toujours le fameux cerceau, comme ceci. Mais je pense que celui-là est un petit peu plus grand que l'autre. Il me semble plus grand. Je me retrouve à avoir ce genre de petit bidule, c'est pour la laine, j'imagine, là, pour faufiler la laine alentour. Je me trouve à en avoir deux. Comme ça. Et j'ai deux en fil-fil. Comme ça ici. Je suis contente de les avoir. Parce que c'est pas toujours évident là, de rentrer de la laine là, dans le chat de l'aiguille. Je vais plutôt avoir ceci. Je me sens que. Oh! Un petit ciseau. Je vais le laisser emballer. Là. On le sait tout un ciseau. Là. Mais ça se trouve pas être celui-là, par contre. Ce modèle-là. Mais du moins, je ne suis pas censée d'avoir commandé celui-ci. Oh, dis-moi pas. Ah oui, c'est lui. Comme ça ici. Je me trouve à voir l'ouverture du sac. Comme ça ici, il y a quand même des petits diamants sur le dessus. Et voilà. Ici, il y a des petits trous pour pouvoir le coudre, rentrer l'aiguille, puis coudre le matériel pour le petit sac. Oh! J'ai hâte d'avoir, je sais pas pour ceux qui font du point de croix, mais je me trouve à avoir ceci. Ça m'intrigue, parce que c'est la première fois que je vois avec une petite pointe au bout. Regardez ici. Une petite pointe au bout. Je ne sais pas à quoi va servir ce petit outil. On dirait qu'il y a de l'encre dedans. C'est étrange. Ça me semble être un crayon avec de l'encre dedans. J'ai la petite laine ici. Comme ça. Je me trouve à avoir ceci, un genre de fil. J'imagine c'est pour le coup de le petit clip ici. Comme ça. J'ai les aiguilles. J'ai trois formats d'aiguilles dans le sac ici. Mon éclairage n'est pas fameux, hein? Et j'ai un autre comme ça ici. J'ai un double fond à mon sac, comme ça ici. C'est la doublure du sac. Comme ça. Avec un autre carré. Voilà le modèle de la fleur. Et je me trouve à avoir... Ah non, ça c'est l'extérieur.
Puis ça, c'est, ça doit être la doublure du sac, j'imagine. Ah, je sais plus, là. C'est étrange parce que j'ai quand même. Ça va être à voir. Il faut que je vérifie vraiment. J'espère qu'ils montrent comment le faire parce que là, sinon, je vais être dans la merde. Attendez un peu. Ok, je vais le plan ici. Comme ça. Il montre comment faire le montage du sac. Comme ceci. Ok, c'est écrit en chinois, mais c'est écrit en anglais aussi. Une chance. Comme ça ici. Et j'ai l'envers qui montre comment le faire. Ça va être quelque chose, celui-là. Vu que ça, en plus, c'est la première fois que je le teste. Puis en plus, il y a une genre de comme de bourrure entre les deux tissus. Comme ça ici. Faire une certaine bourrure au petit sac. Va falloir que je vérifie ça après parce qu'il ne faut pas que je fasse d'erreur non plus en le fabriquant. Et voilà. Je vais tout serrer mes choses. Et voilà pour celui-ci. Avec le petit livret, qu'il faut pas que je l'oublie, sinon je vais le perdre. Mon troisième projet, ça va être ceci. Une petite horloge en trois dimensions. Ici, il se trouve à avoir. C'est tout un genre de. La matière ressemble à du bois, mais je pense pas que ce soit du bois. Ça doit être du contreplaqué. J'ai aucune idée, mais qui se défait. Je veux dire, regardez. Vous voyez? On a juste à le détacher comme ça, comme ça. Donc, on n'a pas besoin de le découper avec soit un ciseau. Conçu pour le bois, rien. Au moins, c'est bien, c'est une bonne chose. Donc, c'est une petite trois dimensions qu'il faut monter avec un petit papier ici parce qu'il y a un mécanisme dans l'horloge. Ici, il nous montre comment monter. La soi-disant petite horloge, comme ceci, avec l'envers. Comme ceci. Il se trouve à avoir. Hein? Il est toujours dans le mécanisme. On a le trou déjà fait ici dans le centre pour rentrer les petits mécanismes avec les aiguilles. Celui-là ici.
avec le petit mécanisme. Comme ceci. Ça doit être l'endos, j'imagine ça. Pour le quatrième colis, ça se trouve être ceci, du point noué. Avec les brins de laine déjà tout découpé. Donc c'est ici. On a le petit crochet ici avec le clapet. Comme ça. J'ai déjà fait ça. Des tapis comme ça, là, au-dessus de 30 ans. Ça fait longtemps que ça existe, ce genre de projet artisanal. Il y a quand même beaucoup de liens dedans. Je ne sais pas si vous allez voir au travers de tout ça. C'est assez sûr et un gnome. C'est bien, par exemple, parce qu'il est déjà cousu. La doublure est déjà cousue. Ça se trouve être un coussin que je vais faire avec le motif de gnome, comme ça ici. Quand même beaucoup de laine, comme vous pouvez voir. Des teintes de rouge, de gris, un peu de mauve, de noir, des teintes de blanc aussi. Et le modèle, ça se voit ceci. Pour le coussin. Moi qui est maniaque des gnomes, disons, j'en ai profité pour le prendre avant qu'il disparaisse et que ça soit back-order aussi. Le cinquième projet, ça va être celui-ci, qui est connu de certaines personnes. C'est déjà quelque chose que j'ai fait dans le passé, il y a longtemps. Mais ça me tentait d'en faire d'autres. C'est quand même lourd un peu. Et ça se trouve être ceci. La pâte Fimo. Un petit kit. La pâte Fimo. Il montre certains modèles qu'on peut faire.
comme ça ici. Certaines techniques. J'ai des petits outils qu'il offre avec le kit. Comment s'ouvre-t-il? Et voilà. Certains petits outils. Comme ceci et ceci. OK. Je me demande à quoi sert ça, mais ici, vous avez des mesures. Puis on dirait que c'est comme une petite, des petites dents ici qui se trouvent de ce sens-ci. Je ne sais pas à quoi ça peut servir. Je vais vous montrer ici. Des teintes de pâte primo, du mauve, du jaune, du bleu. Il se trouve avoir deux étages. Tout petit kit. Donc, c'est pas les couleurs qui vont me manquer. Je vais avoir un petit kit ici. Des petites pinces. Il y a des petites cornes dedans. Il y a même des crochets à faire, des boucles d'oreilles, des petits sachets. Désolée, j'ai été dérangée. Donc, je me trouve à avoir deux étages pour la part Fimo. Donc, il ne me manquera pas de couleur, comme vous pouvez voir. Puis, il marque, je n'ai pas besoin de le mettre au four, celui-là, mais dans le four micro-ondes. Je préfère ça en plus. De l'utiliser dans le four micro-ondes. Et voilà. Pour la part du Fimo. Et le tout dernier se trouve être celui-ci. Certaines personnes vont me dire, mais celui, tu peux en trouver dehors, mais moi, dans le coin où je demeure, disons que commencer à aller chercher de la roche, là, j'ai des kilomètres et des kilomètres à marcher pour essayer d'aller en trouver. Je n'irai pas sur les terrains des autres pour leur voler leur pierre non plus. Là. Je mettrais un petit kit comme ça ici. C'est de la peinture, il y a le pinceau. Un petit peu. Désolée pour le bruit. J'ai essayé le plus possible d'éviter d'en faire. Mais avec les emballages, donc voilà les couleurs. Comme ça ici. Je vais aller me chercher aussi des crayons conçus pour faire les dessins. Parce que là, disons qu'ils viennent avec
C'est comme peinture. Je me trouve à avoir deux styles de... d'embout pour la peinture, pas de, des motifs. Des yeux, ça me fait plutôt rire. Il y a plusieurs formats pour les yeux. C'est pas des choses que je vais utiliser, par exemple, les petites pierres, là. En tout cas, je verrai avec le temps. Il y a ça qu'il y avait. Et je me trouve à avoir ceci aussi. Ça, c'est une chose que je me servirai pas. Pour faire ce que je veux faire. Il vient avec un petit livret, comme ceci. Ben oui, c'est la peinture sur roche. Il montre pour la technique, comment cela fonctionne. Comme ceci. Ça, c'est certaines techniques qui montrent comment ça fonctionne. Et voilà les fameuses roches en question. Oups! Faut pas que je casse ma vitre non plus de table. Sont quand même une belle grosseur. Différents modèles. Comme ça ici. Ce qui est bien parce qu'il y a plusieurs formes pour les faire. Je vais les remettre dans la boîte. Peut-être pas là-dedans, par exemple, mais dans la boîte directe. Je sais pas à quoi ça sert, ça ici, là, mais... Ah, ça va pour le filet. Donc, voilà pour les achats que j'ai fait sur Amazon. Là. Donc, des petits projets futurs que je publierai quand j'aurai fait. Certaines petites choses, là. Faut pas que j'oublie le livre. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye. Montrez, tournez. Je suis pas capable de filmer avec. C'est pas le mien. Il est pesant, il a l'air pesant. Ouais, il est vraiment beau. Il y a pas de crochet, par exemple. Oui, ben oui. Regardez. Il y a deux crochets ici. Ah, c'est beau. Oh, Denis, venez me l'arranger. Va l'arranger. Oui, que là, Roger, tu arranges sur ton autre, tu l'amènes au. Non, mais je vais te dire tantôt. Vas-y, ça fait vraiment beau que la corde, hein? Il sort vraiment bien. Moi, tu sais,